vos acclamations. Sous vos acclamations, nous assistons à la levée de Madame la Présidente de l'Union nationale, Madame Philippe Nsambo. Monsieur le Premier Président, mesdames et messieurs distingués adhérents et sympathisants, après l'étape de coupe, nous voilà à Kairo. Trois temps forts vont acter le deuxième voyage de notre idole, matriarche et présidente à Kairo. Le commandant, le mot de bienvenue prononcé par le Premier Président, le mot du Premier Président, et enfin, nous allons écouter le discours de notre guide, sans qu'on peut appeler ici affectueusement Maman Présidente, Madame Claude Nissan. Sans qu'on parler. Libreville, put your hands up! Put your hands up! Union nationale! Union nationale! Un pour tous! Un pour tous! Tous pour un! Merci, Papa. Je vais inviter du haut de cette tribune le coordinateur communal. Sans vouloir le citer, M. Jacques Mette-Léandé, à prononcer son nom de bonjour. Union nationale, Union nationale, tous pour un, tous pour un. Madame la Présidente de l'Union nationale, Monsieur le Vice-président de l'Union nationale, Monsieur le Coordinateur provincial, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation en vos grades, qualités et rangs. Au nom des adhérents et sympathisants de l'Union nationale de la commune de Tango, au nom des populations communales et de l'alternance politique pour notre pays, le Gabon, permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues dans notre cité congolaise. Madame la Présidente, votre deuxième voyage à Tango avec les deux escales à Écoupe, avant et en même après, est un signal fort. Vous venez de nous démontrer votre détermination et votre courage. Une fois de plus, en cette période de pré-campagne, pour cette ville du Gabon, longtemps restée la chasse gardée des autres. Pendant que l'actualité politique du pays brûle de vives flammes avec une batterie de mesures allant dans tous les sens, pour décourager l'action de l'opposition gabonaise, l'Union nationale, sous votre contrôle, appliquera la morale du chêne et du roseau de Jean de la Fontaine. Il faut tenir le coup. Nous vous soutenons afin de ne pas rompre. Madame la Présidente, nous nous rendons compte
certaines décisions prises par certaines instances décisionnelles visant à défavoriser votre candidature se retournent contre leurs auteurs. On peut citer le problème du bulletin unique en illustration. Sur ce point précis, nous voulons en savoir un peu plus. Madame la Présidente, nous nous posons un certain nombre de questions. Le bulletin unique présenté sous le format du CGE sera-t-il validé? Qu'en est-il des représentants des partis dans les bureaux de vote? Est-il possible pour un parti ayant remporté plus de conseillers à l'élection municipale de diriger une commune avec 3 maires? Qu'en est-il de la candidature unique de l'opposition? Madame la Présidente, votre présence à Kango est le signe d'une nouvelle ère pour notre jeune démocratie, d'une part, mais un symbole poignant pour rompre avec un régime qui foule au pied le Gabon d'abord et la sauvegarde de nos valeurs d'autre part. À Kango, vous êtes chez vous. Union nationale, pour tous. Union nationale, tous pour un, tous pour un, un pour tous, un pour tous, un pour je vous remercie. Imaginez la suite. Bien, on parle plus. Après la brillante intervention de promoteur communal, nous allons inviter de la fin de tribune au promoteur provincial. Sur les acclamations, s'il vous plaît. Habitants de la commune de Kango, bonsoir. Alors, moi je suis dans la délégation de la présidence de l'Union nationale, notre candidate Mme Paulette Bissambou. Oui, je suis le représentant provincial de l'Union nationale à l'Est-UE. Donc je ne vais pas être long, parce que ça commence à faire un moment que vous êtes là, et vous êtes rassemblés ici et vous avez eu raison de le faire, en nombre important pour écouter notre candidate à l'élection présidentielle. Elle est, oui, en capacité de gouverner le Gabon demain, à condition que tous les 6 rassemblés, vous allez faire le 26 août prochain ce que vous pouvez faire en tant que citoyen. C'est-à-dire, aller voter. Aller voter. C'est la première chose à faire. Si nous voulons aller de nouveau être au pouvoir, si nous voulons que le PDG ne soit pas en capacité de gouverner ce pays, il faut commencer par aller voter le 26 au matin. Et lorsque vous avez voté, oui, pour ceux qui votent entre 7h et 8h, oui, vous pouvez repartir chez vous, vous reposer. Mais dès qu'il est entre 16h, à partir de 16h, parce que le dépouillement est prévu pour 18h, dès qu'il est 16h, 16h et demi, vous devez revenir dans le centre de vote, au sein de vos bureaux de vote, parce qu'on vient nettoyer devant vous. Évidemment, la présidente va répondre aux préoccupations que le coordonnateur communal a posé tout à l'heure sur la question du bulletin unique, la candidature Eric également de la référence 2023. Mais chacun à la place qui est la sienne doit d'abord faire son travail. Et la première chose à faire, c'est de voter. Et de voter massivement pour Madame Paulette Bissambou. Parce que vous, elle n'est pas candidate par votre présence. Et elle vous le dira tout à l'heure. Il a constaté, comme nous tous, que notre pays va mal. Et le Gabon ne s'est jamais aussi mal porté. Alors, est élue le 26. La rentrée scolaire en septembre
en septembre, et les enfants vont retrouver leur bourse de 24 000 francs CFA au collège en décembre prochain. Si madame est venue le 26 prochain, la bourse qui a été injustement supprimée aux supérieurs, elle va être rétablie à ces étudiants-là et elle va être payée à échéance régulière si elle est élue le 26 du mois prochain. Si madame Nsambo est élue, les pensions vont être payées normalement. Elle va arrêter cette histoire de pré-pension. Parce que c'était tout ce que vous traitez de gens qui ont travaillé 10 millions dans ce pays de cette façon. Et qui fait ça? Qui est responsable de tout ce que je dis? Qui a supprimé la bourse des enfants? Qui ne paye pas la bourse aux enfants? Qui a supprimé la bourse des enfants au secondaire? Qui ne paye pas la bourse à échéance régulière aux enfants au supérieur? Qui ne paye pas la pension aux adultes aujourd'hui? C'est Ali Bongo et le PDG. Oui, c'est Ali Bongo et le PDG qui font tout ça. C'est pour ça que vous devez être clair dans votre choix. Si vous voulez que ce pays se remette à fonctionner normalement, il faut élire Madame Nsambo, présidente de la République, le 26 août prochain. Mais il faut élire Madame Nsambo. Il faut également donner une majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre de gouverner ce pays. Parce que si elle n'a pas les députés qui font l'Assemblée, il va être difficile pour elle de réaliser son projet de société. C'est pour ça que cette élection générale, eh bien, il va voter pour Paulette Bissambo en tant que président de la République, mais il faut également lui donner la majorité qu'il faut à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse mettre en œuvre projet de société. Vous votez pour elle. Vous votez pour les candidats qu'elle a investi ou qui sont dans l'alternance 2023. Comme ça, vous êtes sûr que dès qu'elle est en situation, dès le lendemain, tout ce que je vous ai annoncé sera fait. Merci et à très bientôt. Thank you.
Mesdames et messieurs, nous allons très chaleureusement inviter Madame la Présidente à prononcer son discours. Sous vos acclamations, population congolaise. Des élections présidentielles. Tu as accouché d'un vainqueur, d'un champion, et là, tu le sais. Africain, on va le Bambola. Belle ma soeur. Derrière moi. Belle tout mourir. Oui. Amboulabé. Merci à tous. Merci d'être à nouveau au rendez-vous de Kango. Je suis revenu parce que, comme vous le savez, c'est la période des élections. Et après avoir été élu à la présidence de l'Union nationale, à Oyem, le 20 mai, j'ai exprimé à mes compatriotes, à mes compagnons membres de l'Union nationale, mon désir de me présenter à l'élection présidentielle. Je l'ai fait parce que j'aime mon pays, parce que j'aurais pu continuer ma retraite tranquille, hein, je me contente du peu qui me reste, mais devant la situation grave que traverse notre pays, le chômage des jeunes qui devient endémique, je suis sûr que chaque famille a dans sa maison un enfant bachelier avec un master, un ingénieur qui n'a pas de travail. Je suis sûr que ici même, à cette assemblée, il y a des retraités qui ont cessé leur travail depuis longtemps, certains depuis des années, qui n'arrivent pas à toucher leur pension retraite. Ils ont même créé un nouveau terme, pré-retraite. Oui, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'avais obtenu pour les enseignants, pour faciliter, pour encourager la fonction enseignante, qu'une fois admis à l'école normale supérieure, l'étudiant, il devient fonctionnaire parce que les postes budgétaires étaient réservés et on le mettait en pré-salaire. En pré-salaire parce qu'il commence seulement. Mais la pré-retraite, ça n'existe pas parce que le retraité, il a déjà travaillé. Le retraité a déjà travaillé. Donc, il a rendu le service à l'État. Dès qu'il cesse son service, il doit automatiquement bénéficier de sa pension. Et malheureusement, il y en a des milliers aujourd'hui au Gabon. Certains sont même décédés avant d'avoir vu la couleur de leur retraite. Alors, ça, j'estime que ce n'est pas normal. Un État doit protéger ses citoyens. Un État doit protéger ses enfants. Et c'est pour cela que j'ai décidé de me lever pour reconstruire notre pays, restaurer la vraie République que nous avons connue. Moi, j'ai été à l'école, mais mon père il a participé parce que il me nourrissait. Mais après, c'est l'État qui a pris en charge nos études pour les gens de notre génération et des générations après, jusqu'au moment où moi j'étais ministre de l'Éducation nationale, les élèves étaient pris en charge dans les internats, à l'école. Aujourd'hui, tous les internats sont fermés. Les bourses sont supprimées au secondaire. Au supérieur, c'est selon. Et pour nos enfants qui étudient à l'étranger, beaucoup sont obligés d'abandonner si les parents ne sont pas capables de payer. Ça, ce n'est pas normal pour le Gabon riche. Parce que notre pays est très riche.
Oui, et ce bois, tout à l'heure encore, si nous sommes retardés sur la route, les grumiers, depuis des années, les grumiers. Non seulement ils abîment la route, mais ils emportent ce bois et rien ne reste ici. Je ne sais pas ce qui a été investi ici à Kango, mais il n'y a rien. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que dans chaque localité, pratiquement, il y a une richesse. Qui a l'or, qui a le diamant, qui a l'uranium, qui a le manganèse, qui a le fer, il y a tout dans notre pays. Dieu nous a tout donné, mais nous-mêmes, nous gaspillons. On ne met pas suffisamment pour transformer notre pays. Et ce pays, s'il est bien géré, s'il est géré par des patriotes qui aiment leur pays, et c'est pour ça que je me suis levé, parce que j'ai déjà travaillé, j'aurais pu m'arrêter, mais parce que j'aime mon pays et que je ne veux pas qu'il continue dans cette situation, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République. Parce que dans notre constitution, l'institution, le président de la République, c'est lui qui prend les grandes décisions, c'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui donne la voix. Et je me suis dit que, avec mon expérience, oui, je peux, mais en associant l'ensemble des Gabonais, personne ne sera exclu. Au PDG, il y a des compétences, mais qui sont maintenant écrasées là-bas, qui ne peuvent pas s'exprimer. À l'opposition, il y en a dans la société civile. Aujourd'hui, nous avons formé suffisamment de compétences pour bien gérer notre pays, au lieu de faire appel à des soi-disant experts qui viennent simplement pour pomper le budget de l'État, nous présenter des maquettes qui ne sont jamais réalisées. Donc, chers compatriotes, je suis venu vous dire cette fois que chaque Gabonais doit se lever. Chaque Gabonais doit pouvoir rêver. Nos jeunes qui sont ici doivent pouvoir rêver d'un Gabon meilleur. Et c'est possible. Et compte tenu du chômage endémique qui frappe nos jeunes, qualifiés et non qualifiés, diplômés et non diplômés, j'ai décidé d'allouer à ces jeunes un revenu minimum d'insertion pour ceux qui quittent le système scolaire sans qualification. On les mettra en formation pour apprendre un métier en collaboration avec les entreprises. Parce que les entreprises doivent créer des emplois, mais quelquefois, il manque la main-d'œuvre non qualifiée. Pour ceux qui sont qualifiés, cette allocation leur permettra de rechercher l'emploi dans la dignité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois nos enfants qui sont obligés d'être chargeurs à la gare routière pour avoir 1000 francs, d'être vendeurs de friperies pour gagner quelque chose. Oui, moi aussi, j'ai travaillé. J'ai fait le ménage quand j'étais étudiante. Parce que j'ai eu la bourse supprimée, mais je n'avais pas de parents là-bas en France. Mais ici, le parent, c'est l'État. Et l'État, tel qu'il était organisé et tel que nous pouvons l'organiser demain, peut prendre en charge ses enfants. Donc, j'ai décidé de faire en sorte que cet État fort qui protégeait nos enfants, qui assurait leur transport pour aller à l'école, qui ouvrait les internats pour qu'ils ne pensent qu'à travailler au lieu de chercher de quoi manger, mais que cet État soit à nouveau restauré. Sauf qu'il y a un problème. Jusqu'ici, quand nous faisions les élections, on dit élection présidentielle, chaque candidat a son bulletin de vote. Bon, maintenant on dit que c'est un bulletin unique et on met ça sur le lieu de l'opposition et particulièrement de Madame Misambo, parce que j'ai porté le mémorandum pour la transparence électorale. Mais dans notre mémorandum, le bulletin unique que nous avons proposé prévoyait que, par exemple, pour l'élection présidentielle, on met les photos de tous les candidats à la présidentielle. De sorte que vous, l'électeur, vous cochez seulement le nom et la photo du candidat que vous choisissez.
on met dans une circonscription, on met les photos de tous les candidats à la députation parce que ce sont des élections différentes. L'Assemblée est appelée à contrôler l'action du gouvernement. La photo du président ne peut pas être avec celle du député. C'est ce qu'on nous propose maintenant. On n'a jamais vu ça. Et ce n'est pas normal. Donc, nous avions proposé ça. Or, maintenant, ils disent que c'est le bulletin unique. Non. D'ailleurs, nous l'appelons maintenant bulletin unique. C'est un ticket où on met la photo du président. Vous verrez ma photo et puis les candidats députés de l'Union nationale. Mais non. Donc, ça veut dire que un parti qui n'a pas de candidat à la présidentielle, ben, il ne pourra pas participer au choix du président de la République. Est-ce que c'est normal? Tous les Gabonais ne sont pas inscrits dans un parti et vous n'êtes pas obligé d'être dans un parti. Mais chaque Gabonais est un citoyen. Il a acquis le droit de vote et il a le droit de participer au choix du président de la République. Il a le droit de choisir son député librement. Or, les nouvelles dispositions qu'ils ont prises il y a 4-5 jours empêchent ça maintenant. Si un candidat, il est indépendant, eh bien lui, comme il n'a pas de député, il ne pourra même pas, vous ne pourrez même pas le choisir. Parce que si vous le choisissez, vous ne pourrez plus voter le président de la République. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés chercher une chose pareille. Parce qu'on ne connaît pas de pays qui ait fait ça. Donc, nous disons que ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut qu'il change, qu'on revienne à l'ancienne formule. Et si c'est ce que nous avons proposé, le bulletin unique, alors on dit élection présidentielle, on aligne les photos de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et vous, l'électeur, vous choisissez celui que vous voulez. Si on dit députation, dans une circonscription, un siège de député, on met les candidats de tous les partis qui sont candidats à l'élection du député. Et vous choisissez. Parce qu'en plus, plus grave, moi, j'ai fait mon dossier comme candidate à la présidentielle. Moi-même. J'ai payé la caution et tout. Et maintenant, je n'ai plus le droit, le candidat à la présidentielle ou le candidat député n'a plus le droit d'avoir un représentant dans le bureau de vote. C'est maintenant le ministre de l'Intérieur qui doit désigner quelqu'un qui va aller vous représenter alors qu'on ne le connaît même pas. Est-ce que c'est normal? Donc, cette élection, et on dit les trois élections, tout le monde dans la même salle. L'élection du président de la République et l'élection des députés, tout le monde la même caisse, la même urne. Mais non. Donc, tout est fait pour embrouiller l'électeur, pour que demain, on dise oui, Missambo a eu une voix. Voilà. D'ailleurs, on nous a déjà attribué des pourcentages. On ne sait pas quand est-ce. Ils font les sondages. Quelqu'un est venu vous voir ici pour faire le sondage? Bon, tout ça, c'est pour décourager et les candidats que nous sommes et les électeurs. Alors, peuple gabonais, chers parents, chers compatriotes, je vous demande de ne pas l'accepter. En tout cas, nous, les candidats, nous avons déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester ce changement qui ne correspond à rien, qu'on n'a jamais vu dans aucun autre pays. Parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, a choisi le bulletin unique. Oui. On avait vu les Bédié, les Ouattara, les Bagbo, tout le monde sur la même feuille. Et les électeurs choisis. Mais ce qu'on nous amène ici, là, je ne sais pas qui a inventé ça et dans quel but. D'ailleurs, même les PDG ne s'en laissaient pas toujours. Puisque si quelqu'un est indépendant, un PDG, quelqu'un qui veut être indépendant, ben, on ne pourra pas le voter. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que cette affaire, il faut que ce soit réglé. Sinon, c'est peut-être pour que l'élection n'ait pas lieu. Or, le délai constitutionnel est atteint. Il n'y a pas d'autre voie que l'élection. Et nous ne sommes pas pour le boycott parce que le boycott, ça veut dire qu'on va leur laisser la voie libre pour faire n'importe quoi. Or, aujourd'hui, chaque citoyen doit pouvoir participer à la gestion de la cité. C'est pour cela que je vais vous présenter notre candidat à la commune de Kango. Où est-ce qu'il est, le coordinateur, le candidat? Il est allé en DEM. Bon. Donc, nous avons un candidat ici à Kango et je vous invite à voter pour lui. Parce que ici à Kango,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ici. Moi, je ne vois pas. Il n'y a rien de nouveau. Or, en démocratie, quand là, on vient demander vos voix, les gens font 5 ans. Mais s'ils n'ont rien fait, mais il faut les sanctionner. C'est ça, la démocratie. C'est pas garder pour garder, non. Il faut les sanctionner, voter contre le PDG, puis c'est essentiellement le PDG qui est au pouvoir. Et notre candidat s'appelle Jacques Minko. Il a déjà été maire. Vous l'avez vu tout à l'heure. Tout à l'heure, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Il nous a précédé en DEM parce qu'on va s'arrêter là-bas. Donc, choisissez des gens qui en veulent, qui veulent changer la donne. Et comme si vous votez pour moi et je vous demande de voter pour moi, au sommet, mais on donnera l'orientation pour que les choses changent. Parce que tel que c'est parti, on a un pays, c'est comme s'il était à l'abandon. Il est à l'abandon, moi je reviens du sud, c'est pareil. Tout le monde a les mêmes problèmes de courant, de d'eau, à Libreville, les médicaments, la CNAM GS. Nous avons mis en place la CNAM GS. Quand j'étais ministre de l'Éducation, avec feu André Mbaobam, qui était ministre des Affaires Sociales, quelle est la réalité de la CNAM GS aujourd'hui? Ils ne remboursent même plus tous les médicaments. Et les hôpitaux se plaignent parce qu'on ne leur rembourse pas leurs médicaments. Donc, c'est deux instruments de solidarité, la CNSS qui est en crise, la CNAMGS qui elle-même est en crise parce que les hôpitaux se plaignent de ne pas être remboursés. Or, ces deux instruments de solidarité, nous, à l'Union nationale, nous avons fait des propositions pour des réformes parce qu'il dit toujours l'opposition ne propose pas. Mais nous avons proposé et ils n'ont jamais tenu compte des propositions que nous avons faites pour redresser la CNSS et la CNAMGS. Donc, chers compatriotes, je voudrais simplement vous dire que notre pays étant à l'abandon, moi, présidente, je ferai un programme d'urgence pour les infrastructures déjà, parce que rien que les écoles, nous sommes revenus à des effectifs pléthoriques, tous les internats ont fermé depuis que j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale, le problème des bourses, je vous l'ai dit, et les routes, oui, là ça bouge un peu, mais on sait que une fois l'élection terminée, dès que vous allez les remettre en poste, ils vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, nous devons, et la force d'un pays, c'est sa démocratie, ce sont ses habitants. La décision vous appartient. Les femmes, c'est pareil, j'ai un programme pour les femmes. Parce que je sais que beaucoup de jeunes filles quittent l'école aussi à cause des grossesses précoces trop tôt. Et elles n'ont pas, après, de formation qui leur permette de bien s'occuper de leurs enfants. Si par le passé, j'ai fait voter une allocation aux filles mères, elle est devenue insuffisante. Et il faut qu'elle aussi, elle puisse suivre des formations que je vais recréer des banques de développement. Nous avons eu la BGD qui a été tuée. Nous avons eu la BNCR pour l'agriculture qui a été tuée. Or, dans d'autres pays, ce sont des banques de développement. Et moi, je recréerai ces banques une fois élue présidente pour permettre aux Gabonais d'avoir des crédits. Des crédits pour faire des affaires, les jeunes pour créer des petites start-up, des petites entreprises, les femmes aussi pour faire fructifier leur commerce ou leur projet, parce que la fonction publique ne crée pas beaucoup d'emplois. Mais si le tissu économique est bon, le climat des affaires est bon, et comme nous avons beaucoup de richesses, il nous suffit simplement de créer les conditions pour que les entreprises, les investisseurs viennent au Gabon, mais en négociant avec eux des contrats gagnant-gagnant pour que, qu'on ne se contente pas de nous prendre le bois et le manganèse et l'uranium et le fer. Presque cadeau. Ils vont investir chez eux et rien ne reste au Gabon, rien ne reste dans les villes où ces choses-là sont exploitées.
Donc, chers amis, chers parents, l'heure est grave. Dans tous les peuples du monde, tous les pays du monde, ce sont les citoyens qui ont la voix. Ce sont les citoyens qui ont la décision, à condition que ces citoyens soient prennent leurs responsabilités, qu'ils comprennent que le vote là, c'est l'arme la plus redoutable. C'est pas les canons, hein. C'est la mobilisation du peuple. Donc, je compte sur vous pour que le 26 août au soir, vous fassiez le pas qualitatif. Il faut pas avoir peur de changer. Faut pas avoir peur de changer. Le Gabon a les moyens de se développer. Hein? Que le 26 août, les candidats que nous avons présentés, par exemple à la mairie, il faut faire le pas qualitatif pour voter pour ces candidats. Et ensemble, à travers le Gabon, nous pouvons construire un Gabon prospère parce que c'est possible. Et un Gabon où le vivre ensemble, parce que ça aussi... que les Gabonais ont toujours vécu. On parle de la paix. Mais la paix, si tu n'as pas à manger chez toi, est-ce que tu es en paix? Bon, si tu ne peux pas soigner ton enfant, est-ce que tu es en paix? Donc la paix qu'on chante n'importe comment là, ça c'est pas la paix. La paix, c'est lorsque l'État, avec les entreprises, crée les conditions pour que le peuple puisse s'épanouir. Que chacun puisse vaquer à ses occupations, que chacun ait une place dans la société. Qu'il n'y ait pas d'exclus. Et c'est ce Gabon-là que je voudrais construire avec, reconstruire avec vous au soir du 26 août 2023. Je vous remercie. L'intervention de Madame la Présidente, je vais vous demander un exercice. Allumez le téléphone. Nous avons une surprise pour vous. Madame la Présidente n'est pas venue seule. Allumez le téléphone. Allumez le téléphone. Allumez le téléphone ici. Nous, on ne vous voit pas. Allumez le téléphone. Nous avons un artiste. Surprise. Qui va prester. Qui a accompagné Madame. Dis-le. Quand tu veux. Comme tu veux. L'étanche le téléphone. L'étanche le téléphone. Se for pra ser.
monsieur, levez-vous. Oh non. Équipage. On me disait que Tango, c'était seulement la route. Pendant que Tango est grand, t'as pu avoir les mêmes pour les habitants de Tango. Maman, c'est la vie qui fait de moi un bagando. Depuis un moment, comme la vie a fait de moi un bagando, on me pousse. On me dit non, tu n'es pas un grand chanteur. Mais ma mère a dit que Peggy, le Gabon, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi j'ai choisi l'Union nationale, taper les mains pour les membres de l'Union nationale. Et dans le Gabon, qui va changer les choses? Tape les mains pour les mains. Et puis nous, les gars, je chante même déjà la joie parce que je sais que le 26, tout le monde est OK. On va boire, on va manger. Moi-même, je savais chanter le son qui dit « Je suis le fils, je suis l'enfant du pays, je bois la regarde. »
merci au peuple congolais. Je ne veux pas me mentir, je suis heureux d'être ici avec vous. Mais je vais présenter quand même celle qui bat le Shiba. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on me voit en Congo. Expo, je suis l'artiste qui a chanté un morceau que vous avez aimé. Mais j'ai décidé d'attribuer ce morceau à ma mère. Parce que ce soir, c'est elle la lionne. C'est elle la championne. C'est elle qui a décidé de se présenter parmi toutes les femmes, tous les hommes de ce pays. Expo, elle a fait ses classes et aujourd'hui, elle a dit même dans le noir, même s'il n'y a pas les lampadaires, je vais se prêter.